Bonjour à tous, Hervé Matou avec vous pour vous commenter ce match. Oui, et avec Pierre Ménès pour un match international, amical. L'équipe de France qui se retrouve opposée aux championnes du monde 2015, les Américaines. Alors au classement mondial, je crois que nos Bleus sont 3e et les Américaines sont numéro 1. Donc voilà, le décor est assez vite planté. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Pierre, sur ce match amical ? Pas d'enjeu, pas trop de pression, un bon test pour se faire une idée de la forme des équipes. Ouais, on espère un peu de spectacle tout de même. Je vous propose d'écouter l'hymne de la France et des États-Unis. Et voici la composition, les 11 françaises qui vont débuter la rencontre. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. Les joueuses de l'équipe nationale américaine qui jouent presque toutes dans le championnat des États-Unis. Bah oui, parce que là-bas, il y a un super championnat, donc il n'y a aucune raison de s'expatrier. Hein. Même s'il y en a quelques-unes qui sont en Europe quand même, en France, en Suède, en Allemagne. La composition américaine, tout de suite sur votre écran. C'est donc un 4-5-1 classique hein, que l'on va retrouver dans cette formation. On densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. C'est parti pour la première période. Griège Bogmatinka. Le long de la ligne de touche. Ah, c'est bien joué, hein. Il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. Ouais, faute, estime l'arbitre. Amandine Henry. Eugénie Le Sommer. Amandine Henry, elle passe dans les pieds qui s'enchaînent. Non, une frappe lointaine, elle était bien trop loin pour tenter quoi que ce soit. Rose Lavelle, Kylie O'Hara. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Alex Morgan, le ballon qui change de camp. Abigail Kemper, Elise Bossaglia, Griège Bogmatinka, Amandine Henry. La voie est libre. Ouais, ça construit devant. Allez, l'occasion de passer devant. Et voilà, il y est. L'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. On revoit cette tête superbe, Pierre. Timing parfait, Hervé. Le centre était très bon aussi. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Lindsay Horan.
Amandine Henry. Elise Boussaglia. L'attaque est propre, mais ballon toujours en jeu. Megan Rapinoe. Ah non, le ballon est perdu. Oui, elle vient intercepter. Amandine Henry. Elise Boussaglia. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, bien joué, c'est pas terminé, attention. Ça sort en corner au bénéfice des Françaises. Allez, le corner est tiré. Bogmatinka. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Wendy Renard, petit aveu d'un... Oh, quelle frappe magnifique! On revoit le ralenti de cette frappe lourde, très lourde. Oh, quelle frappe! Elle était pourtant loin, mais elle a vu l'ouverture. Ah, ça part vraiment très très vite. Hein. Je vous laisse admirer la qualité, la puissance de cette frappe. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Mais qui sort à Brune. Lindsay Horan. Rose Lavelle. Elise Boussaglia. Amandine Henry. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Ouais, bon ben, oubliez ce que je viens de dire. Rose Lavelle. Ouais, la bonne intention. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Ouais, bien déposé, hein, ce centre, mais personne pour le reprendre. Et donc, sortie de but. Il y a le moment pour nous de revoir ce but. Une frappe lourde, très pure, qui vient se loger dans la lucarne gauche. Amel Majri. Elise Boussaglia. Ah, c'est superbe! L'adversaire est cloué sur place. Amandine Henry. Trois minutes de temps à 10. Ah, elle passe en profondeur, attention. Allez, le centre maintenant. Oh, c'est dangereux. Non, le ballon qui passe trop haut. Nous sommes donc à la mi-temps de ce match amical. Ouais, une rencontre internationale de grande qualité. Allez, on s'est bien reposé. On va pouvoir repartir pour 45 minutes. Oui, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Elise Boussaglia. Elle va pouvoir tirer. Oh, le tir qui vient raser le montant. C'était pas mal fait du tout, ça. Ça aurait peut-être mérité un meilleur sort. Lindsay Horan. Alex Morgan. Megan Rapinoe. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. La gardienne qui éloigne le danger. Lindsay Horan. Le ballon qui est finalement perdu. Ouais, très propre ce tacle. Ce sera donc une touche. Amel Majri. Elise Boussaglia. Megan Rapinoe. Ah oui, la bonne passe. Il ne donnera rien du tout, ce centre.
à part une sortie de but. Tiens, je vous propose de revoir cette occasion. La défense a eu chaud. Hein. Avec qui ça va, Bruno? Abidal Kemper. Oui, elle vient intercepter. Un petit peu d'espace pour centrer. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Lindsay Horan. Crystal Dunn. Ouais, la passe n'arrivera pas à destination. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Amandine Henry. Elise Bossaglia. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Carly Lloyd. Megan Rapinoe, de peu à côté. Voilà le changement qui intervient, elle va laisser sa place. L'entraîneur qui doit être satisfait de sa performance tout de même aujourd'hui. Carly Lloyd. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Kylie O'Hara. Alex Morgan. Carly Lloyd. Megan Rapinoe. Voilà, cette situation, on ne peut pas se permettre de manquer des occasions comme ça. Oui, parce que là, la confiance commence à être abîmée. Les 9 dernières minutes du temps réglementaire. Oh, la gardienne qui s'empare de ce ballon. Ballon perdu. Amel Majri. Ça part bien, action dangereuse. Ah, la passe était dangereuse. Le bon ballon. Oh, tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid! Ouais, je crois qu'on peut dire que le match est plié, hein, Pierre. Oui, Hervé, ce qu'on pensait se confirme. Il y a une équipe qui est bien plus forte que l'autre. Il n'y a plus vraiment de suspense dans ce match, évidemment. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, ce n'est pas énorme. Alex Morgan. C'est fini avec ce bon résultat pour les Françaises qui s'imposent face à leurs adversaires. Ouais, le score est sans appel. On a assisté à un match vraiment à sens unique aujourd'hui. Ah, on peut quand même saluer le professionnalisme d'une équipe qui a joué tout le match à fond pour marquer un maximum de buts.